Yaorana et bienvenue sur Jurismana. Aujourd'hui, on va parler de la Polynésie et d'une question assez récurrente. Comment qualifier la Polynésie française? Alors, j'entends des réponses assez diverses. La Polynésie est un DOM. Non, vous avez tort, la Polynésie est un TOM. Non, vous avez tort tous les deux, la Polynésie est un TOM. Vous savez, pour les juristes, c'est un peu comme entendre que Papeete s'appelle en réalité Polyville. On a une question et en fait, la réponse est plutôt simple à trouver. Il suffit de consulter la Constitution française et plus particulièrement son article 74 tel que modifié par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à la décentralisation. Cet article définit les collectivités d'outre-mer. Ce sont des collectivités qui sont régies par un statut particulier. En réalité, cet article a vu la suppression des TOM pour les remplacer par les COM. Et la Polynésie, justement, est-elle un COM? Eh bien, l'article 1er de la loi organique statutaire polynésienne de 2004 précise effectivement que la Polynésie est une collectivité d'outre-mer dotée de l'autonomie. Chose intéressante, elle précise aussi que la Polynésie est un pays d'outre-mer. Pour le Conseil constitutionnel, ça ne pose absolument aucun problème, car la notion de pays d'outre-mer n'emporte aucun effet de droit. Donc, au sens du droit constitutionnel français, la Polynésie est bien un COM. Mais vous pouvez utiliser sans problème la notion de pays, après tout elle est juridiquement reconnue quand même par notre loi organique statutaire, et on peut continuer à utiliser aussi la notion de territoire, mais cette fois-ci dans un sens beaucoup plus géographique. Voilà, nous en avons déjà terminé avec cette toute petite vidéo. Si elle vous a paru intéressante, n'hésitez pas à la liker. Et si vous voulez continuer à suivre les vidéos de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Merci à tous, parehane.